Salut, bonjour à tous. Allez, nous sommes le 20 mars. Retour au rucher. Belle activité, toujours. Hein. C'est un peu couvert, mais bon, fait 15, plus de 15 degrés. Et il est midi. Voilà. Ouais, le curé, il appelle ses fidèles. Voilà, belle activité encore, hein. Ça tourne beaucoup. On va faire un petit bilan de ma visite d'hier. Toutes les colonies sont pas mal, ils tournent entre 4 et 5 cadres de couvain. Les réserves, c'est pas non plus formidable pour certaines. Toi, celle-là, c'est sur 5 cadres de couvain, celle-là, il n'y a pas besoin de candy. Celle-là, je vais rajouter. Elle est sur 8 cadres, pas besoin de candy non plus. Elle est sur 5 cadres de couvain, mais je l'ai je lui ai rajouté un cadre avec amorce. Donc elle est sur 8. Celle-là, il me semble que j'ai rajouté une demi-poche de candy. Elle est pareil sur 4 cadres de couvain. Elle. Voilà, 4 cadres de couvain, mais il manque pas beaucoup de réserves. Il y avait des réserves, mais en fin de compte, c'était du miel qui avait cristallisé. C'était du miel de l'année dernière, hein, je pense que c'était du l'hier aussi. Hein. Donc il a cristallisé. Elle était lourde, mais tu vois, c'était pas mal de miel cristallisé. Donc là, j'ai rajouté quand même une moitié de poche de candy. Hein, parce que bon, le cristallisé ne mange pas trop. Ici, l'essaim, enfin la ruche, elle n'est pas très forte. Alors je vous explique pourquoi. Elle est sur deux corps, hein, c'est indivisible. Et en fin de compte, la colonie est restée sur le premier corps du haut. Alors je me tâte vraiment, de la cette année, puisque je vais en refaire. Les divisibles, je pense que je vais les essayer. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais essayer de les hiverner sur un corps. Parce que franchement, le corps du bas est encore, j'ai enlevé. Et comme elle était petite, enfin elle n'était pas grosse, elle n'est pas grosse, hein, mais bon, c'est une belle colonie quand même, mais pas suffisamment pour gérer tous les cadres, alors que j'avais quand même pas mal réduit. Et en fin de compte, il y avait pas mal de cadres qui avaient moisi. J'étais obligé d'en balancer 3 ou 4. Hein. Le grand cadre qui était là, qui servait de partition, il y avait moisi et deux cadres en bas, des cadres de hausse. Donc tu vois, je me tâte vraiment de les hiverner sur un corps. Dans lequel j'ai rajouté une petite poche de candy. Celle-là, il restait une petite poche de candy, elle va en finir. Les réserves étaient correctes, elle est sur 5 cadres de couvain. Celle-là, le cadre de couvain est pas top. Ça, c'est une vieille abeille. Voilà, on en écrase. Pas formidable. Il est sur 5 cadres, mais je trouve qu'il est un peu clairsemé. Il manque de la réserve, donc celle-là, le candy, je lui en ai rajouté une demi-poche. Je vais rajouter un bout de pâte protéinée ici. Alors, j'ai pas trouvé, hein, je ne fais pas la marque, mais j'ai pas trouvé là, il est en rupture de stock. Je ne sais plus le nom, ce que maintenant tout le monde utilise là. Les petites tablettes de pâte protéinée, j'en ai pas trouvé, donc j'ai pris ça à la coopérative, hein, il est resté. Donc ça va très bien. Ça c'est les 5 que j'ai mis en ruche hier. Il tourne à donf. Voilà. Là les 5, là j'ai pas pu le mettre en ruche hier. Regardez comme ça tabasse celui-là. Lui il est gonflé celui-là, il est plein. Là il n'a plus de place. J'ai visité hier, il n'y a plus de place. Franchement c'est saturé. De réserves, de pollen, de couvain. Elle est sur 4 cadres plein de couvain. Elle a vraiment plus de place. Donc elle va partir en ruche, mais hier, comme je vous ai dit, je n'ai pas pu la mettre en ruche parce que j'avais plus de ruche. Hier soir à 5h, vite fait, je suis parti chercher une ruche au deuxième rucher. Parce que celle-là, en principe, elle devait aller partir en essaim, en ruchette, être en rucher au rucher du châtaignier. Mais bon, voilà. Donc je vais l'enrucher ici. De toute façon, les réserves, la floraison au rucher du châtaignier. C'est pas top. Enfin, c'est pas top. C'est pas. Ils sont un peu plus en retard qu'ici. Donc je préfère qu'elle se booste ici à fond. Parce que là, c'est vraiment.
Les floraisons sont à fond ici. Et comme ça, elle va bien grossir ici. Puis je la montrerai. J'irai la monter. On va la mettre au rucher là-haut quand il y aura les merisiers. C'est pas tout rose non plus. Parce que ici. Non, cette colonie. Très très petite. Enfin, c'était ça, très petit. Des petits ronds de couvain comme ça. Avec autant d'abeilles. La reine pond. J'ai fait un acide oxalique, je lui ai apporté un peu de pâte protéinée. Je sais pas, mais c'est pas top. Hein. Donc après traitement acide oxalique, je vais voir ce que ça a donné au niveau varroa. Ouais, j'en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, quoi, il y a une vingtaine de varroa. Mais bon, de toute façon, pour le peu d'abeilles qu'il y avait et pour le peu de couvain qu'il y avait, voilà. Donc, je ne me fais pas trop d'illusions là-dessus, sur cette colonie. L'essaim, la reine est bien. Alors, mais bon, elle pond, mais il y a très peu d'abeilles. En fin de compte, il y aura vraiment très peu d'abeilles pour s'occuper des couvains. Alors, ça là aussi, il y avait un peu de varroa, donc j'ai traité. Mais la colonie prend tout ça. Voilà, donc elle part comme ça, la colonie, elle est balèze aussi, et elle a pondu dans la hausse. Donc j'ai plusieurs options, mais je vais réfléchir un peu là-dessus. Prendre la reine, supprimer la reine qui est là-haut au rucher du châtaignier, qui m'a piqué hier déjà d'une. Je me suis pris les premières piqûres hier au châtaignier, et toujours la même, la foldingue. Et celle-là, non, j'en veux plus. Alors je prendrai peut-être celle-là, si elle ne redémarre pas sur ce couvain-là, la prendre, orpheliner. Ce que vous en pensez, mais orpheliner l'autre la colonie où il y a la reine qui me casse les bonbons en parlant poliment et incorporer insérer cette reine là-bas. Je sais pas si vous comprenez, mais bon, moi je me comprends, c'est déjà pas mal. Voilà, je pense que je vais faire ça. Bon, allez, voilà, arrêtez de parler, on va mettre cet essaim en ruche. Donc voilà, c'est pas. Pour l'instant, j'ai que deux essaims qui sont vraiment costauds. Si, il y a la. Comment dire, il y a la vieille reine, qui est pas mal aussi. Elle est grosse. La reine 2019, c'est un bel essaim aussi sur 4x4 de couvain, hein, malgré son grand âge, 2019. Il est blindé cet essaim. Je le décale, tu vois, comme ça, tac. Il est vraiment blindé, vraiment très lourd. Alors ouais, hier je l'ai visité, mais je pensais pas qu'il était aussi important. Or, j'ai impossible d'avoir sur ma coopérative des fonds Nico complètement ouverts. Pourquoi? Apparemment, d'après ma coopérative. Nico a changé sa façon de faire et a fait des fonds avec juste l'aération derrière. Bon, pour le varroa, je ne sais pas ce que ça va donner, mais bon, on va voir. Apparemment, soi-disant, c'est mieux. Je ne sais pas. On va voir. Est-ce que j'ai ouvert la porte? Ouais, tu vois, on revient tout de suite sur l'emplacement. Allez, on va se traîner. Il fait bon, hein. Il fait bon et il fait 15 degrés. Donc, voilà. C'est bien. Donc j'ai récupéré un cadre sec sur la 12 cadre. J'ai juste enlevé un peu le couvain de mâle, pareil que l'autre. Elle m'avait fait en bas. Donc ça, je mets ça en rive. J'ai rajouté une amorce. Pareil. Voilà, donc on va voir comme ça. Donc là, tu vois, elle avait plus du tout besoin de candy parce que je dis, elle était bien blindée. Voilà. Donc ouais, pour cette reine là-bas qui pétouille, je pense que ouais, je vais lui donner notre chance. Essayer de repartir avec regardez ça, gros, hein, t'as plus de place, hein. Regardez ça, pas la reine. Donc après, donc je vais orpheliner
la colonie où il y a la reine qui est chiante. Je mettrai la deuxième, cette reine là-bas. Hein, on fait comme ça. Voilà. Là, il est gros, hein. Mais bon. J'en ai que deux comme ça. Peut-être trois avec la. Avec la. La, oui, la rouchette bleue. Donc, on va enlever tout ça. Faire attention avec les ponts qu'on met hein, ici. Hein. Et ouais, je vous embête encore aujourd'hui. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Je sais pas si on voit bien. C'est pas évident de. Alors, je retrouve plus mon petit trépied. Voilà, donc on va doucement parce que je veux pas trop écarter les autres cadres. Donc doucement, on va vite le poser. Voilà. Regardez ça les réserves. Et ça brille. Hein. Regardez ça. Ça c'est que du pollen et de la réserve. Hein. Et là ça brille. Hein. Ouais, toi, il avait vraiment plus de place, elle. Du tout. Voilà, tu vois, commencer vraiment à saturer. Donc voilà, on le met à la même place. Elles vont gérer les deux cadres. Hein. Ils ont annoncé, comme je vous ai dit hier sur la première vidéo, ils ont annoncé 10 jours de beau. Donc elles vont profiter. Avant en profiter. Donc pour ça c'était simple, je les laisse, enfin cette colonie pour l'instant je les laisse là. Et quand vraiment là-haut ça va démarrer vraiment avec les végétations. Il y avait quelques bouquets d'arbres. Mais bon, c'est tout. Bah, la reine elle est là. Hein. La Miss 2021. Et c'est tout pondu. Hein. Alors, tout ça c'est du couvain, là c'est de la réserve. Un très beau couvain. Voilà, donc la Miss, tu vas pouvoir t'épanouir avec tes filles. Alors ça, c'est une fille, c'est une sœur. C'est une sœur de l'essaim. Hein. Voilà, donc tu vois, bah, voilà, donc maintenant, on sait que la reine est là. Je ne dis pas à travailler comme un bouin. On est plus confiant. Regardez ça, c'est placard de couvain. Et elle me commence à me mettre du nectar dans le cou. Hein. Donc c'est vraiment, elle est saturée quoi. Et là, si vraiment on fait rien, on fait rien, ça part dans les arbres. Hein. Ça ne vraiment plus de place. Et d'ailleurs, je regarde un peu s'il n'y a pas des ébauches parce que avec des températures, il fait pas froid. Hein. Il ne gèle plus pour le moment. Et il n'y a plus de gelée matinale. Et ça part dans les arbres. Hein. Ça, si vous faites rien, il suffit qu'ils fassent un ou deux jours de mauvais, qu'elles ne peuvent pas sortir. C'est rata. Hein. Regardez. À cette époque, ça fait la première fois que je vois du nectar dans le couvain. À comparer ici sur l'année dernière, je vous mens pas, hein, je vous fais voir. Elle pond en rond. Voilà, elle suit son cycle de ponte, nickel celle-là. Voilà. Après, c'est sûr, c'est pas joli de partout. Une colonie là, une colonie. Est-ce que je vais arriver à parler? Une colonie là-haut qui me. Où la reine est chiante. Je vais changer, regardez ça, ça brille. Voilà. Voilà. Un bel essaim. Et où la reine est vraiment affreuse, quoi. Hier, je me suis fait défoncer. Hier, je suis arrivé au rucher, vite fait. Je dis, bah, je vais regarder vite fait là. Juste le. Comment dire, la. L'activité qui se.
comment dire, qui se devant les portes. Hein. Puis celle-là, je voyais pas d'activité. Je dis, tiens, bon, bah, celle-là, elle est morte. Elle... Bon, ben, bah, j'avais pas dit, ah, tant mieux, mais pas loin. Je veux dire, au moins, regardez ça, c'est que du couvain, enfin, du pollen. Voilà, donc, ils vont bâtir tout ça. Et donc, je suis arrivé là-bas, j'ai dit, tiens, bon, il n'y a pas d'activité. La canée, celle-là, de toute façon, elle était faible déjà. Bon, je dis, bah, je vais l'ouvrir. Bon, j'étais habillé, hein, pourtant, hein, j'avais les gants et. J'avais les gants et, et la tenue. Hein. Bah, je suis arrivé. J'ai ouvert, tranquille, sans fumer. Hein. Je dis, bon, bah, c'est bon, pas de bruit ni rien, pas de bruissement, rien. Je suis arrivé, j'ai ouvert. Je me suis pris une volée d'abeilles, mais quelque chose de phénoménal. J'en avais plein le masque. J'en avais plein le masque et en fin de compte, le filet était contre ma joue. Je me suis pris deux piqûres sur la joue. Oh, d'entrée, j'ai dit, allez, j'ai refermé. J'ai dit, c'est bon, toi, c'est pas la peine. Voilà, c'est déjà... Voilà. Je voulais vraiment la changer, mais je crois que là, maintenant, ça a été... Ah, mais d'entrée, une attaque formidable, quoi. Bon, voilà. Par contre, là, il y a un peu de la... Un peu sale, celle-là. Je vais pas la taper. Je vais juste la mettre comme l'autre. Avant se rappeler sans en écraser parce qu'il y en a. Voilà, pousse-toi la miss. Voilà, allez, pousse-toi. On est sérieux, poussez-vous. Là. Voilà. Avant battre le rappel. Par contre, là, ce que je vais faire avant, je vais ouvrir à fond ça. Bon, celle-là, après, elle va être nettoyée, remise en circuit pour faire des essaims. Là, voilà. Là, bon, on bat le rappel parce que là, c'est ça. Là, au fond, j'ai pas tapé. Il y a plein de cochonneries. L'autre, non, là, voilà. Elle était un peu plus propre. Qu'est-ce que je vais faire? Un couvre-cadre. Là, c'est bon. Allez, c'est une belle colonie. Hein. Donc là, on va s'occuper de tout ça. Il fait pas froid. On met un couvre-cadre au cas où il faut mettre du candy. Voilà, on va mettre une protection. Je ne sais même pas si je vais le descendre. Ça. Je ne sais pas si je vais le laisser. Je vais le descendre, le nourrisseur. On va remettre ça par-dessus et la mise. Hop. Voilà. Tenu au chaud. Voilà. Et saute-toi. Que je ferme. Mettre le toit. Et voilà. On va noter mon feutre est là, stabilo, pas stabilo, qu'est-ce que je dis comme bêtise, en Posca. Donc là on a dit que c'était une reine 2021. Donc on a dit reine 2021. Voilà. Donc là on est le 23 reine, ok, elle est sur 4 cadres de couvain et maintenant elle est sur 8 cadres. Voilà, j'ai pas marqué, c'est pas grave, j'ai pas marqué les cadres comment dire comme quoi c'est les cadres de cette année, je vais faire la prochaine visite. Bon ben voilà, une petite, un beau petit essaim, ça je vais redescendre, pour l'instant, regardez mes pelotes orangées, varroa, hein.
c'était le plateau qui était dessous. Hein. Je sais plus, je compte pas de varroa, je vois pas de varroa. Merde, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Je secoue ça là-dessus. Voilà. Prêt pour partir éventuellement, si tout se passe bien, au rucher du châtaignier pour la floraison du châtaignier, pour la production, hein, si tout se passe bien. Moi je vais descendre tout ça. Je vais nettoyer la ruchette. Voilà, je vais nettoyer même la ruchette ici, j'ai le flanc bas. Donc voilà, on va laisser se remettre de ses émotions, regardez ça. Alors toi, tu le rappelles avant de monter, ne vous inquiétez pas. Il y a des pollens. Là, je vous dis, si tu fais rien... Après, il faut prendre des... Voilà, faut prendre des initiatives. Même si on a peur de faire mal. Mais là, vous laissez un dessin comme ça, il suffit qu'il fasse mauvais. Quelques jours, il se barre. Il se barre dans la nature. Hein. Voilà. Vous avez bien vu, c'était saturé. Hein. C'était saturé de réserves. Ça commençait même à pondre dans le... À mettre des hectares dans le couvain. Et moi je suis entouré d'abeilles là. C'est chouette, hein. Et là elles sont sur les pruniers, il y a encore des saules marceaux. Regardez ça, c'est tout blanc de pruniers dans le coin, elles sont dessus. Hein. Voilà, elles, c'est pareil, regardez ça. Et pourtant c'est un petit essaim, hein. Enfin c'est un essaim, regardez comme ça tourne. Là, elles ont repris leur marque et tout. Elles sont bien. Hein. Elles sont bien. Voilà. C'est 20 minutes de vidéo. Je vais arrêter là. Moi, je vais continuer. Je vais mettre un peu des pâtes protéinées à deux colonies. Donc, la ruchette divisible et celle-là. Et puis, je vais me rentrer, manger. Un petit creux. Puis, éventuellement... C'est la saison des morilles, donc je crois que je vais faire un petit tour avant de l'aller manger. Voilà. Allez, je vous dis à ciao, passez un bon week-end, passez un bon fin de week-end, un bon dimanche. Prenez soin de vous, de vos abeilles, de tout le monde. C'est plus important. Et faites-vous confiance dans votre apiculture. Hein. Puis les ondis, voilà, balèque, on dit, hein, on s'en fout. Avec des moi-jeux, moi j'aurais fait comme ça... Des conseils, c'est bien. Hein. C'est bien d'en donner des conseils. Mais voilà, faut savoir les donner. Hein. Et moi, j'en donne quand je peux en donner. Des reproches, dire bah non, fallait pas faire comme ça. Si tu peux dire bah non, j'aurais mieux, ça aurait été mieux de faire comme ça. Voilà. Mais bon. Chacun fait son apiculture, chacun est maître de son rucher, comme on dit. Chacun fait des conneries dans son rucher. Moi, ça se trouve, j'ai peut-être fait une connerie hein, d'aller mettre sur 8. Mais peut-être ça va marcher. Peut-être ça va exploser. Peut-être j'ai pris de l'avance sur cette année. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Mais voilà, c'est une décision qu'on prend. On est au rucher, on fait comme on veut. On fait comme on veut et comme on peut. Et ça, c'était tout du pollen. Je suis arrivé ici, c'était plein de pelotes de pollen. Mais avec l'humidité, toi, ça... Mais quand tu vois ça, t'es obligé de les faire grossir. Il y en a certaines que j'ai fait grossir, il y en a d'autres que j'ai pas fait grossir. Celle-là, par exemple, à 12 cadres, je l'ai réduit. Elle était sur 8, mais j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de réserves. J'ai réduit. Mais les réserves se trouvent tous ici, tout devant la ruche, là. Voilà. C'est... Regardez, comme ça, c'est normal quand tu vois ça, ça... Tu l'as fait grossir, tu l'as fait évoluer. Tu n'as pas la serrer, la laisser confiner dans une petite ruchette. Pas possible. C'est pas possible, regardez ça. C'est pas possible de laisser ça dans une ruchette. Allez, je vous fais la bise et à très bientôt. Bye à vous, ciao, ciao. Bon week-end, bon dimanche.